Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de ma formation Chemin Lumineux. Elle s'adresse à toi particulièrement si tu as un petit peu la flemme de lire la page de vente. Mais si tu cherches des infos bien précises, sache que je t'invite à la lire pour bien comprendre de quoi on parle. Donc l'objectif de cette formation, en fait, c'est de te dévoiler les grands principes de la pédagogie Montessori que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien pour toi aussi développer le potentiel de tes enfants, et ça même si tu ne pratiques pas la pédagogie Montessori avec le matériel. C'est-à-dire qu'on peut très bien s'inspirer de la pédagogie dans sa philosophie et dans son aspect en fait un petit peu théorique qui des fois rebute un petit peu pour accompagner nos enfants et les mener donc à l'épanouissement. Et ça même si on n'a pas de matériel, même si bien sûr le matériel est un gros plus. Donc à qui s'adresse cette formation? Donc en fait, elle s'adresse à tous les parents. Donc, que tes enfants soient en IEF à la maison avec toi ou scolarisés à l'école publique, dans des écoles privées ou même en école Montessori, parce que du coup, ça va donner une certaine cohérence à l'enfant entre ce qu'il vit à l'école et ce qu'il vit à la maison. Cette formation est faite pour toi si tu veux donc accompagner ton enfant grâce aux grands principes de cette pédagogie. Donc le gros plus en fait de cette formation, c'est que tout au long de la formation, je vous ai fait des quiz pour remobiliser les connaissances et bien les intégrer, et également des exercices pratiques qui vont vraiment vous aider à observer certaines choses chez vos enfants, vous auto-observer vous aussi dans votre relation avec lui donc, et dans votre manière de faire pour vous amener en fait à modifier les choses qui auraient besoin d'être modifiées pour vraiment adopter votre posture et devenir un véritable parent Montessori. Donc cette formation, elle va partir en fait de la théorie pour arriver à la pratique. Donc on va voir dans un premier temps donc, les fondements de la pédagogie Montessori, d'où elle vient, comment fonctionne l'enfant, quel est le développement de l'enfant, tous les grands principes dont on entend parler assez souvent, on va un petit peu les mettre en lumière, donc que ce soit les périodes sensibles, l'esprit absorbant, ce genre de choses. Je vais vous expliquer dans les détails en fait à quoi ça correspond. Et dans les modules suivants, on va décortiquer petit à petit le rôle de l'éducateur et comment vous allez pouvoir mettre en place des choses chez vous pour permettre donc à l'enfant de grandir donc avec cette pédagogie pour pouvoir lui permettre donc de développer tous les bénéfices que peut avoir cette pédagogie sur lui, à savoir l'autonomie, l'autodiscipline, la motivation dans les apprentissages, etc., etc., ce genre de choses. Et puis, j'ai prévu donc un groupe de soutien donc, qui se passe sur Discord, qui est une plateforme au même titre que WhatsApp ou Telegram, où on peut s'envoyer donc une plateforme de messagerie instantanée, où vous pourrez partager vos expériences avec les autres membres de la formation pour qu'on puisse donc avancer ensemble. Le but, c'est vraiment de vous faire avancer, de faire prendre conscience de certaines choses, de certaines de vos manières de fonctionner pour vous aider donc à évoluer et devenir un parent Montessori. Donc c'est sûr que le travail ne se fait pas en 5 minutes, il faut du temps et donc ça fait vraiment du bien de pouvoir être épaulé. Donc voilà en ce qui concerne le programme de la formation. Et bien sûr si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter donc soit par mail à contact@cefdelumiere.fr ou sur Instagram. Donc si tu veux nous rejoindre, tu cliques sur le bouton « Rejoindre la formation » juste au-dessus de cette vidéo et je te dis à tout de suite dans la formation.